Les jeunes sont les premiers bénéficiaires de ces aides. Selon une enquête de l'INSEE, 80% des parents mettent la main au porte-monnaie et dépensent en moyenne 400 euros par mois pour leurs enfants, soit environ 3670 euros par an. Pour leurs 18-25 ans, c'est 8% de leurs revenus. Ce père de famille a tout prévu. Il va falloir payer un logement, la nourriture, plus là il arrive avec le permis. Donc il y a la voiture, il y a tous ces frais-là. Des frais qui diminuent au fil des années quand l'étudiant s'insère dans la vie professionnelle. Les jeunes ne sont pas les seuls à bénéficier de cette solidarité. Il y a aussi les familles monoparentales, souvent dans une situation plus précaire. En 2011, près de la moitié d'entre elles ont perçu une aide financière de leur famille ou amis. Au total, chaque année, les Français versent 36 milliards d'euros à leurs proches.